Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez m'entendre, qu'il n'y a pas trop de vent. Nous sommes sur la commune de Saint-François, commune extrêmement prisée par les Français de l'Hexagone. Ville touristique sur la Riviera après le Gaussin Central. Et Saint-François, c'est la marina, c'est le golf, c'est la ville touristique par excellence. Alors il y a énormément de randonnées, de choses à faire, à découvrir. Et aujourd'hui, je suis sur le site de la Pointe des Châteaux. Alors le site de la Pointe des Châteaux, c'est à l'extrême est de la Grande Terre. Et c'est un des sites touristiques les plus visités de la Guadeloupe. À partir de... je vais essayer de vous montrer ça. Il y a une croix tout en haut de la Pointe des Châteaux. Je vais... Voilà, la croix. La croix qui fait 10 mètres de haut. Et qui, de là-haut, on peut voir... toutes les îles de l'archipel de la Guadeloupe, parce que oui, mon île, c'est un archipel avant tout, avec, au moins, je pourrais vous montrer le bateau renversé, qui est la Désirade. J'adore la Pointe des Châteaux. Alors bon, la baignade n'est pas conseillée à la Pointe des Châteaux, mais sur la route qui mène à la Pointe des Châteaux, il y a énormément de points de baignade. Et il y a également de très 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 belles randonnées. Il y a une randonnée d'ailleurs qui part de la Pointe, qui passe du côté de la Croix, et qui fait un grand tour. Et là... j'espère qu'avec le vent, vous allez m'entendre, parce que plus je me rapproche de l'eau et plus il y a du vent. Vous allez voir derrière moi, dans quelques instants, le bateau renversé, la Désirade, qui est la première île. La première île qui se prend les vents cycloniques quand ils arrivent, parce que c'est... la première côté océan Atlantique. Donc voilà, ça c'est la Désirade. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent pour que je puisse vous parler de la femme que j'ai décidé de mettre à l'honneur aujourd'hui et qui est une artiste. Qui est une artiste plasticienne, Chantal Eacommin, qui est de Saint-François, qui a été formée à l'esthétisme, à la littérature et au cinéma à Paris 1 et la Sorbonne. Chantal Eacommin, comment vous dire? Elle est connue, elle a exposé au Japon, en Suisse, à Paris. Elle a contribué à des revues d'art. Chantal Ea, c'est un univers particulier. Elle a une pratique protéiforme. Elle est vraiment, quand j'y pense à Chantal Ea, ça me touche beaucoup. Elle interroge beaucoup son métissage, Afrique, Amérindien, Kouli. Elle interroge aussi l'entre-deux mondes, vous savez, les Antilles, la France. Où sommes-nous? Comment le vivons-nous? Elle se pose beaucoup de questions sur l'écologie. Dans le choix de ses matériaux notamment. Il n'est pas évident, personnellement, de rentrer dans ce monde. Il faut juste s'en donner le temps. Donc je vais vraiment faire ce clin d'œil à Chantal Ea, qui est une femme extraordinaire. Voilà, je vous laisse. Je vais continuer à admirer la Pointe des Châteaux. Je vous laisse. Ah, attendez, donc je vais remonter et je vais vous montrer la vue que j'ai de tout là-haut. Oh mon Dieu, quand je vous dis que je suis dingue de mon île, vous comprenez quand même pourquoi. Waouh, immensité. Allez, sur ces belles images,
je vous laisse et je vous dis à demain.